Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Dans l'émission Moseka Malheur Moderne, n'a pas de son beauté. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un smoothie au lait de coco. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser ce reste de lait de coco. J'ai utilisé le lait de coco pour la recette du gâteau Mont Blanc. Donc, j'ai fait ça le même jour qu'aujourd'hui, je suis en train de faire le smoothie. Donc, comme conseil, je voulais dire que lorsqu'il y a une date de péremption sur ce genre de produit frais, la date n'est plus valable dès lors que c'est ouvert. Donc, comme conseil, il vaut mieux liquider le plus vite possible parce que souvent, au bout de 3 jours, c'est plus bon et il y a des gens qui font parfois l'erreur de se fier à la date. Une fois que c'est ouvert, il faut consommer. Alors, j'ai choisi une recette qui va me permettre de liquider les 400 ml qui me restent de lait de coco parce que c'est 1 litre qu'il y a là. Et j'ai utilisé 600 ml dans la recette du Mont Blanc. Donc, pour les ingrédients. Nous aurons besoin de glaçons, du miel, nous aurons besoin de 4 kiwis, le miel c'est 2 cuillères à soupe, tu veux bien aller chercher 2 cuillères, 1 cuillère s'il te plaît, et nous aurons besoin de 5 feuilles de menthe et 400 ml de lait de coco. Ici il est bio. Et nous aurons besoin comme matériel d'un blender. Le voici, mon blender rose. Voilà, on va passer à la suite. On met le lait de coco dans le blender. Il y a des parties où ça a durci, c'est normal. C'est bon, tu as tout? Non, je crois pas. Voilà. Ok. Ça va? Maintenant, on va ajouter le kiwi. Donc, 4 kiwis coupés grossièrement. On va ajouter les glaçons. On ajoute la menthe. Tu ouvres le miel. Et on ajoute 2 cuillères à soupe de miel. Dépose-la. Voilà. Et voilà, on va fermer. Et on va lancer notre blender. Vas-y. Voilà, notre smoothie est prêt. On va servir un peu dans une chope. Tiens, tiens le bas. Lâche, lâche. Voilà, on a choisi une chope. Ça, c'est quelque chose que les Belges aiment beaucoup. Ça sert normalement pour la bière.
on va mettre notre smoothie. Oh, on va ouvrir hein, parce que c'est épais. Voilà, il y a beaucoup d'épaisseur. Un petit instant. Voilà, ça a l'air très onctueux. Vous voyez? Un bon smoothie. Qui c'est qui va goûter? On va mettre un petit peu là pour goûter. Hein. Celui-là, on va donner à papa. Goûte-moi ça. Bon, si je vais goûter. Alors? Alors, dis d'abord, c'est bon? Oui. Ah, c'est très bon. C'est agréable. On ne sent pas trop la menthe. C'est très agréable comme boisson. Voilà. Santé. C'est très bon. Smoothie au lait de coco et au kiwi. Voilà. Donc, on a mis des kiwis, des feuilles de menthe, des glaçons et du lait de coco. Donc, on a liquidé et aussi du miel. On a liquidé ce qui nous restait comme lait de coco. Voilà. Ce que je voulais faire comme remarque, il y avait des personnes qui m'ont écrit une box pour dire qu'ils avaient chaque fois un problème avec le blender, chaque fois ça se cassait. Il ne faut pas forcer les blenders, surtout si c'est des blenders comme ici, blenders pour utilisation normale en famille, ce n'est pas pour une société qui fait des smoothies. Donc, à un moment donné, vous branchez et on ne laisse pas pendant 15 minutes en continu. Hein. De temps en temps, il faut revenir sur zéro ou diminuer la vitesse pour préserver le moteur. C'est l'astuce. Voilà, donc, santé! À bientôt! L'émission On s'éclate des malheurs modernes vous dit... Au revoir! Thank you.
Mm-hmm.